Bonjour gang! Ça va aujourd'hui? J'espère que vous passez une belle journée. Je vais faire une vidéo. Je vais revenir sur le boycott de demain à partir de 17h59 jusqu'à mercredi à 18h01. Ainsi que la France à partir de 23h59 jusqu'à jeudi, minuit 1. C'est très important de rester déconnecté pendant tout ce temps-là. Parce que si vous connectez une seconde ou cinq secondes, ça défait tout votre travail de boycott. C'est très important. Et quelques personnes ont voulu se connecter parce qu'ils s'ennuyaient de leur ami. Ou des personnes qui communiquent souvent. C'est pas normal tout ça. C'est à cause d'eux que la censure. C'est à cause d'eux que nous avons tous ces problèmes-là sur Facebook. Donc ça doit cesser. Donc on ne se déconnecte pas du tout une ou cinq secondes, qu'importe. On ne se connecte pas du tout. Que ce soit Messenger, que ce soit sur Facebook, on ne se connecte pas du tout. Battez-vous. Levez-vous, peuple. De tous les pays inclus qui font partie du boycott, levez-vous. C'est ce qui fait votre force, c'est votre persévérance, votre détermination et votre unité. En étant unis, nous sommes plus forts que n'importe qui sur Terre. Nous pouvons ensemble déplacer des montagnes. Je sais, c'est un euphémisme. Ça a l'air un petit peu n'importe quoi, mais c'est vrai. C'est une expression. Ça fait qu'ensemble, on peut tout faire. C'est nous, le peuple, qui fait que nous sommes un pays. Sans nous, il n'y a pas de pays. Sans nous, ces dirigeants-là n'ont pas d'argent. Sans nous, Facebook n'existe pas. Chaque fois, vous le savez, je veux dire. Ouais, c'est ça, fait que... Protester, ben pour protester, c'est par le boycott que ça passe. Amène des pancartes, amène de quoi faire du bruit. Soyons visibles, soyons fiers, soyons unis. Nous sommes au Québec depuis 450 ans, et c'est pas plus. On a une belle histoire. Nous sommes arrivés, les colons français sont arrivés ici, ils ont fondé la Nouvelle-France. Ils ont fait une alliance avec les réserves amérindiennes. Nous avons fait une belle alliance avec eux, nous avons construit ce qui est aujourd'hui le Québec. C'est nous, les réserves amérindiennes, nous ont donné ce coin de pays-là pour que nous en faisions, pour que nous faisions attention, pour que nous soyons fiers de nous, pour que nous soyons unis. Parce que les Américains étaient un peuple très, très, très ouvert. Comme nous, d'ailleurs. C'est ce qui fait notre beauté. On va pas tolérer ça. On veut que ça soit responsabilisé. On veut que les immigrants sans papier puissent faire comme tout pays en bonne forme leur demande d'asile. C'est tout. C'est tout simple de même. On veut que ça soit responsabilisé. Bon, soyez fiers. Soyons fiers. Soyons visibles ces journées-là. Faisons du bruit. On reste dans le respect. On casse rien. Parce que les médias vont chercher à nous faire voir ça. Ils vont nous traiter de radical du moment qu'on fait quelque chose dans ce genre-là. À venir à Frontière à la Colle. À Saint-Bernard à la Colle, je veux dire. OK? C'est un clos, nos pouvoirs, ça en est assez. On n'en veut plus. Donc, dans deux jours plus tard, ça va être des élections. Il va y avoir 1000 personnes qui sont attendues également du côté anglophone si les informations que j'ai eues sont... Mais ne prenez pas ça comme source sûre. Donc, il se pourrait fort bien que nous soyons plus que 1000 personnes cette journée-là. Ça va être une journée magique pour toi qui va venir, qui écoute ma vidéo. Tu vas vivre un moment magique. J'ai vécu une fois une manifestation de grande ampleur, je vais toujours m'en rappeler. Je sais pas combien qu'on était, mais on était nombreux, puis l'énergie incroyable. C'est à ce moment-là que j'ai eu la piqûre pour militer. Mais après ça, pas que je m'intéressais pas, c'est que je connaissais pas de groupe de militants. Bien sûr, il y avait
il y avait la meurtre et Star Alliance, mais j'étais occupé également dans mes études, puis je faisais mes études également. Donc c'est ça, je pensais pas que ça existait. Donc, les gilets jaunes, tous les groupes, c'est le temps de se montrer. Portez votre gilet jaune avec fierté. Portez votre drapeau à hauteur. Soyons fiers. Soyons fiers d'être Québécois. Soyons fiers d'être Canadiens également. Pour les Anglais qui écouteront ma vidéo. Ouais, c'est ça, fait que... On a juste regardé le hockey dans les sports. Il y a des équipes russes, l'URSS, qui ont gagné les championnats à plus finir. Puis les Américains sont arrivés avec des nobody, puis ont gagné cette... ils ont gagné la coupe, la médaille d'argent d'or. T'sais, puis Wayne Wallace, encore là, plus proche, plus loin plutôt, dans le temps de... du Moyen-Âge, là, ils ont pu gagner cette guerre-là. Parce qu'ils ont été déterminés. Ça a mal fini pour Wallace, mais il reste que Robert de Bruce, à cause de la détermination de Wallace, mais ça a amené 150 personnes. 150 personnes ont pu détruire, puis 1000 chevaliers, soldats écossais ont pu détruire une armée de 2500 personnes, 2500 soldats plus 200 cavaliers. Ok, on lâche pas, je sais qu'on est capable, je crois tous en vous, ok, on a tout de quoi emporter, on y met tout notre cœur à ce combat-là, c'est difficile, mais à bout du compte, c'est nous qui va gagner. C'est nous qui va tenir le trophée au bout de la ligne. C'est nous qui va crier victoire. Et ce jour, quand il arrivera, on va pouvoir être fiers. Et on va pouvoir se regarder dans le miroir puis se dire, on était là. C'est nous qui s'est levé. C'est nous qui s'est battu. Bien sûr, il y en a d'autres qui vont se joindre avec nous plus tard. Mais nous allons mener ces gens-là. C'est nous, notre implication, qui va en emmener d'autres avec nous. OK? 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 Ouais, c'est ça, fait que... On veut vous voir, on veut que vous soyez là, tout le monde veut... Tout le monde met son pain à la... tout le monde met la main à la pâte. Fait qu'il faut pas lâcher la game de fou, comme on dit. Un plein. Donc, c'est ça, je vais mettre fin à ma vidéo. Bonne soirée.